Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa. L'idole, l'idole de tout un peuple. Oui, je crois. Plus, hein. C'est une star internationale. Amalia Rodriguez. Amalia Rodriguez. Parce que nous allons partir à Lisbonne. Oui. Évidemment, demain soir, concours de l'Eurovision, ça se passe à Lisbonne. Mais Tania a décidé de nous faire visiter Lisbonne d'une façon un peu particulière. Un peu décalée, oui. Un peu décalée à travers les Lisboètes, hein, les habitants. Et puis la musique qui est formidablement représentée. Voilà, qui va être notre fil conducteur. Alors, Lisbonne, on se resitue rapidement sur la carte, même si on sait quand même tous à peu près où ça se trouve. Ça se trouve au Portugal, figurez-vous, c'est la capitale. Voilà. Donc Lisbonne, oui, on connaît, c'est une ville qui est extrêmement visitée, beaucoup, beaucoup de touristes au Portugal, à peu près 11 millions l'année dernière, un peu plus, rien qu'à Lisbonne, 1 million. Donc beaucoup, beaucoup de monde, et là encore plus à l'occasion de l'Eurovision. Donc on connaît quand même un peu cette ville avec toujours des lieux un peu marquants, marqués le château, la place du commerce, une grande place du commerce. Il y a cette rue aussi avec un tramway qui descend vers le Tage, dans le quartier Bica, la rue de l'ascenseur, on l'appelle. Voilà, c'est celle-ci qui fait partie des rues les plus belles au monde. Elle vient d'être élue la rue la plus belle du monde par un magazine. Donc ça, on connaît à peu près. Donc ce qu'on va faire, nous, puisque c'est l'Eurovision, puisqu'on parle de chansons, on va visiter Lisbonne, mais par le biais de la musique, parce que Lisbonne est très, très liée à la musique. Aujourd'hui, il y a la musique contemporaine, africaine, avec des rythmes africains, qui fait venir les gens un peu de partout en Europe et qui font la fête à Lisbonne. Mais il y a aussi le fado qui est intimement lié à Lisbonne. Le fado qui est ce chant qui est né dans les bas-fonds, dans les quartiers de Lisbonne il y a 200 ans déjà, et qui chante Lisbonne en permanence, qui est très poétique. Et ça va être notre fil conducteur en partie. On y va. De l'autre côté, là, c'est Lisbonne. On va traverser le Tage ensemble. Et c'est une très belle introduction pour nous parce que le Tage et la poésie de cette vue sont repris dans de nombreuses chansons de fado. C'est parti pour cette visite musicale. Et commençons par l'incontournable. Tous les Lisboètes que j'ai croisés au cours de mon séjour sont unanimes. Amalia Rodriguez était une déesse. C'est elle qui a sorti le fado des quartiers populaires de Lisbonne pour aller le chanter dans les salles les plus prestigieuses du monde entier. Ce n'est pas moi qui chante le fado, c'est le fado qui chante en moi, disait-elle. Remontons maintenant aux origines du fado. Il serait né ici, à la Mouraria, dans les années 1820-1840. Quartier Coupe-Gorge, il y a encore 3-4 ans, on s'y promène aujourd'hui sans risque. On s'y perd facilement, déboussolé par son atmosphère encore brute et abrupte. Dans la ville aux 7 collines, la découverte se mérite, on sculpte nos mollets. Alors là, il faut qu'on s'arrête 2 secondes parce qu'on vient d'arriver à Alfama. Et c'est un quartier vraiment très, très authentique. Il y a du linge qui sèche aux fenêtres. Regardez, c'est des orangers là au-dessus de moi. C'est aussi un quartier historique. C'est ici qu'on trouve le plus grand nombre de maisons de fado. Alors on va aller voir ça de plus près. Et nous ne serons pas seuls pour nous accueillir un hôte de prestige. Pedro Castro est un des meilleurs guitaristes de fado de sa génération et il est aussi doué que sympathique. Le fado, c'est des chansons traditionnelles qui sont nées dans les quartiers populaires de Lisbonne. Aujourd'hui, tout le Portugal l'écoute, mais il n'y a pas de fado dans les autres villes. Nous avons la ville la plus chantée au monde en raison de ses collines, du fleuve, des exploits de nos grands navigateurs qui ont découvert le monde. Et pour nous, c'est un endroit terriblement romantique. Tout le monde dit que le fado, c'est triste. Non, c'est pas triste. La tristesse, oui, mais aussi la joie, c'est la vie de tous les jours. Place du Carmo. Le ton change, place au chant de résistance. Le 25 avril 1974, à la radio, cette chanson que vous entendez, Grandola Villa Morena, donne le signal aux militaires pour réaliser leur coup d'État. C'est la fin de 40 ans de dictature. Sur cette même place, le lendemain, les Lisboètes dansent et chantent leur nouvelle liberté. Un petit détour chez le disquaire du coin me ramène au monde moderne. Aujourd'hui encore, la musique branchée qui fait bouger la jeunesse vient des quartiers chauds. Des influences brésiliennes et surtout africaines qui s'entrechoquent. Kizomba, batida, kuduro, une musique de mélange, une musique du soleil.
On l'écoute en sirotant un cocktail sur ses docks fraîchement réhabilités. Et l'on se déhanche de plus en plus fortement quand la nuit tombe sur la rue Rose, car c'est ici que la nuit se passe à Lisbonne, en musique, toujours et encore. Alors Tania, oui. Lisbonne en musique, mais si vous vouliez nous conseiller un endroit où... Un endroit, alors je vous conseille quand même cette maison de Fado que je vous ai mis dans mon reportage, parce que c'est pas la plus touristique, il y en a partout, mais celle-ci est très spéciale. Elle s'appelle la Mesa des Frades, et c'est dans une ancienne chapelle, c'est un tout petit lieu qui est pas très connu, ça vaut vraiment le coup. Le guitariste que vous voyez, c'est un guitariste qui est connu internationalement, vraiment, c'est un très très bon, il y est quasiment... Tous les jours, vous avez allez, une chance sur deux de le voir si vous y allez. Donc voilà, voilà ce que je vous conseille, moi. Et la chanteuse que vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu le film La Cage Dorée, qui est un film sur les Portugais en France, qui a été un grand succès. C'est la chanteuse qui est dans ce film. Donc on voit quand même des stars. Vous avez été gâtés, nous avons été gâtés. Oui. Merci beaucoup, oui. Tania. Ce qui nous permet évidemment de rappeler que demain, évidemment, c'est l'Eurovision sur France 2. Et ne manquez pas ce rendez-vous.